Nous sommes dans le Jura, à Moirans, en montagne, pour la troisième épreuve du championnat de France d'enduro. Une épreuve qui est marquée par l'absence des tout meilleurs. Christophe Nambotin, Pierre-Alexandre René et Mathias Bellino sont tous les trois blessés. Les absents ont toujours tort, les autres vont en profiter. Et on imagine qu'il va y avoir beaucoup de bagarres pour une victoire d'étape, en tout cas ici, que ce soit en E1, E2 ou E3, et même chez les juniors, puisque là aussi, Théo Bazerque, deuxième du championnat, est absent. On va regarder ça tout de suite. On commence avec la catégorie junior et Mika Barnes. Il est actuellement troisième du championnat. Il a un bon coup à jouer ce week-end puisque Théo Bazerque est absent. Vous avez changé de monture cette année, vous êtes sur un 2,5 de temps et ça semble être payant, j'ai l'impression. Oui, j'ai changé de moto. J'ai vraiment beaucoup de plaisir avec cette moto, avec cette 2,5 de temps. Donc voilà, elle est bien réglée, elle marche bien. Tout se passe bien. Maintenant, il faut que je travaille un peu sur moi. Pas trop d'erreurs, il faut que j'arrête un peu les chutes. Mais bon, voilà, j'espère être plus régulier les prochaines courses. Vous avez la double nationalité et l'actu, le bruit qui court en tout cas en ce moment, c'est que vous allez défendre les couleurs de la Finlande en catégorie E2, donc en trophée, aux prochains 6 jours, c'est vrai ? C'est exact, c'est vrai que je vais rouler pour la Finlande aux 6 jours en trophée. Voilà, moi c'est aussi une option pour mon avenir. Je vois mon avenir en Finlande plus qu'en France. Rouler pour la Finlande, ça m'ouvre aussi des portes là-bas au niveau personnel et professionnel. Donc voilà. Vous avez déjà la tête finlandaise pour les 6 jours ou vous restez bien concentré sur le championnat de France ? Non, je reste concentré sur le France. On est là, on est à Moirans ici, donc je suis concentré sur mes spéciales et on va essayer de faire un bon week-end. Malgré l'absence de Théo Bazerque, le suspense nous a tenus en haleine jusqu'à la dernière spéciale. Mal parti sur SP1, Jean-Baptiste Nicolos s'est immédiatement repris pour pointer deuxième à mi-journée. Malheureusement, la SP6 sur le deuxième tour lui coûte cher avec un 8e chrono. Et avec un 11e temps sur SP9, il dégringole à la 5e position de la catégorie junior. Juste devant, au pied du podium, on retrouve Mika Barnes. Journée constante, sauf une 12e place sur la SP3. Le franco-finlandais a fini sur un dernier tour correct où il s'offre une première place. Mais c'est insuffisant pour le podium. On arrive sur le trio de tête infernal. Quentin Delay-Demolde pour commencer. Le pilote TM a mis un peu de temps à se réveiller. Mais une fois la machine en route, il est revenu au contact du leader. C'était alors Jérémy Carpentier. Le pilote EC2M menait la danse depuis le début de la journée, mais il a cassé son sélecteur dans le troisième tour et il a vu logiquement le retour de la concurrence. Il a réussi toutefois à sauver sa deuxième place. Car un autre pilote est venu perturber la hiérarchie. Sur la 125 de l'équipe de France armée de terre, David Abgral a surpris tout le monde en sortant un excellent chrono sur SP8. La messe était dite, Abgral s'offre son premier succès de la saison. Sur la fin, c'était vraiment serré, on était 4 en 4 secondes. Et j'aime bien ça et j'ai réussi à me lâcher sur la fin et c'est super. Il est actuellement troisième du championnat de France en élite 1, deuxième aussi sur le championnat d'Europe dans la même catégorie. Benoît Fortunato est un ancien champion du monde qu'on n'a pas eu encore l'occasion de voir beaucoup cette saison. Beaucoup de fois quatrième, tout le temps en fait, j'ai envie de dire. Vous l'aimez bien la médaille en chocolat ? Non, pas vraiment, c'est pas ce que je préfère, mais mes concurrents devant roulent très vite. Je me bagarre souvent avec eux, très proche, mais je suis pas encore arrivé à concrétiser et j'espère que ce week-end ça va le faire. Vous vous êtes fait opérer dernièrement et là vous avez dit si jamais il pleut pas à Moirans en montagne, là devant ça va y aller. Donc ça veut dire que Gauthier et Bourgeois ont intérêt de se méfier ? Je ne sais pas s'ils ont intérêt de se méfier, mais je vais tout faire pour prendre la place. Après c'est clair que le lendemain de Bar-sur-Seine, j'étais sur la table d'opération parce qu'on m'a opéré d'un poignet. Ça faisait 2 courses de championnat de France que je roulais avec beaucoup de difficultés. Donc ici ça peut être que mieux. Vous êtes un peu on-off, hein. Il peut tout arriver quand vous êtes en spécial.
Ouais, c'est vrai que je suis un pilote un peu généreux, mais depuis quelques temps, je travaille sur ça et ça commence à aller de mieux en mieux. Je chute presque plus, donc je pense vraiment que qu'en m'appliquant, en suivant les conseils qu'on m'a donnés, ça devrait le faire. L'absence de Nambotin ouvrait la porte à des débats enflammés et on a eu notre lot de rebondissements. À mi-journée, Anthony Boissière pointe quatrième, mais il perd tout dans le dernier tour. Avec le cinquième temps dans la ligne et le onzième seulement dans la SP8, suite à de nombreuses erreurs et chutes, l'officiel Sherco redescend au classement et termine cinquième. Quatrième position pour le Suisse Jonathan Rosset. Ils étaient nombreux, les Helvètes, en Franche-Comté pour profiter de cette manche française qui servait de support à leur championnat. Une journée en deux temps avec une bonne entame et une seconde partie plus difficile. Podium international ce week-end en Elite 1. Il vient de Suède et évolue actuellement en Youth Cup sur le mondial qu'il domine largement. Michael Persson était l'invité de Marc Bourgeois, mais le Français va devoir s'en méfier sur la deuxième journée car malgré un troisième tour parfait où il prend tous les meilleurs temps, il termine troisième des E1. Il a débuté la journée en prenant 6 secondes par son rival, mais s'est ensuite montré plus incisif jusqu'à reprendre les commandes de la catégorie en début de deuxième tour. Malheureusement, le deuxième passage dans l'extrême a raison de lui. Julien Gauthier a pris trop de retard pour aller arracher la victoire. Il termine deuxième à 16 secondes de Marc Bourgeois. Le pilote Yamaha a douté pendant cette journée, mais il a finalement fait honneur à son statut de favori et leader du championnat de France. Il remporte cette journée malgré un dernier tour moins soutenu. On passe à la catégorie E2 avec Nicolas Deparois, il est actuellement troisième du championnat. Une saison un petit peu particulière puisque l'année dernière il était blessé, on l'a pas beaucoup vu, nouvelle moto, nouvelle marque. Tout ça, ça fait beaucoup de changements, mais j'ai l'impression que ça se passe pas si mal que ça, Nico. Bah oui, c'est clair que ça se passe pas trop mal. C'est une bonne saison pour moi. Après, bon, je suis pas encore dans les chronos que j'aimerais être. J'étais au Grand Prix de Belgique, ça s'est pas trop mal passé là, le week-end dernier, donc ça revient petit à petit. On a vu de belles bagarres en E2, en tout cas toujours derrière Pelat. Alors là, il est absent ce week-end et c'est certain, je pense que ça va beaucoup se battre pour la gagne. Bah ouais, je vais tout faire. Bon, après, Loïc va vite, hein. Il a encore montré en Belgique le week-end dernier où là, il était vraiment, vraiment devant. Ça va être assez homogène et il y aura de quoi faire la différence parce que les spéciales sont assez techniques, assez glissantes avec la pluie aussi. Donc. Faudra voir après la météo aussi, ça va jouer pas mal. Ça fait un beau championnat, ça relance un petit peu. C'est vrai que Pelat a tué un petit peu la concurrence, donc du coup, bah, tout le monde va être motivé pour faire une belle course là. Il a débuté la saison en élite 3 sur un 300 de temps chez Sherco, évidemment, hein, Jérémy Tarouk, champion du monde aux 6 jours l'année dernière par équipe. Et puis, début de saison, vous allez m'en vouloir, mais catastrophique, on va dire. Et vous avez décidé de changer de cylindrée. Vous êtes sur un 4,5, vous évoluez en E2, mais vous ne marquez pas de points. Alors, racontez-moi un petit peu. C'est un peu compliqué. En fait, l'an dernier, j'ai fait 4 du mondial en E1, en 2,4 temps, et on a gagné les 6 jours. Puis, j'ai voulu passer en 300 de temps pour être en E3. Et finalement, entre les chutes, les problèmes mécaniques, et je me suis pas trop habitué à la deux temps. Donc j'ai pas fait de résultat, à part 3 et 2 à la première du France, mais je prenais pas de plaisir sur la moto, je faisais que tomber, donc j'ai préféré en rester là et repartir un peu mieux sur le 450. Comme ils viennent de sortir, ça permettait aussi de le voir évoluer. Et je me refais plaisir, je reprends un peu de rythme, et j'ai fait donc la Rando Auvergne où j'ai fait 2, l'épreuve du mondial en Belgique. J'ai fait 7 et 9, mais pour un retour, c'était pas trop mal. Et on va essayer de monter petit à petit pour retrouver mon niveau. Ouais. Est-ce que vous êtes déjà en train de préparer 2016, en fait ? Pour l'an prochain, on ne sait toujours pas. Il y a un changement avec il y a la Nuro GP qui passe. On ne sait pas trop, c'est un peu compliqué. Pour le moment, moi, je me concentre sur la fin de saison. Et on a des objectifs et je compte les tenir jusqu'à la fin de l'année. Et on verra bien pour l'an prochain. Là aussi, en E2, l'absence de Pelat laissait le champ libre à une belle bagarre pour le podium.
Il est un peu distancé sur le chrono par le quatuor de tête, mais finit cette première journée sur son meilleur résultat de la saison. Swann Stervagen a surtout été efficace sur l'extrême, où il signe ses plus belles performances. Il doit sa cinquième place à beaucoup de régularité. Romain Boucardet a fait le yo-yo. Deuxième sur le premier tour, il se retrouve quatrième après SP5. Pas franchement de grosses erreurs, sauf une dernière SP qui coûte cher. Il n'a fait que le 16e chrono. En manque de physique, il était temps que la journée se termine. On monte sur le podium avec Nicolas Deparois. Journée constante, toujours 2 ou 3e des spéciales malgré cette chute sur le deuxième passage de l'extrême. Il termine bien la journée en prenant le meilleur temps de la dernière spéciale, mais l'écart avec Jérémy Tarouk, c'était trop important. Le pilote Cherco a l'air de bien s'adapter à sa nouvelle monture, le nouveau 4,5. Il reprend ses marques et signe 6 fois le deuxième temps derrière l'intouchable Loïc Larieux. Il est en confiance depuis ses 2 podiums en mondial il y a 2 semaines. L'absence du grand Pelat n'a pas tellement déconcentré Larieux. C'est une première victoire qui tombe à pic. J'étais vraiment motivé d'entrer à garder le rythme à Belgique, à creuser un écart et de faire comme s'il n'y avait pas là. Après, ben voilà, il n'y est pas, donc derrière, c'est un poil un ton en dessous, donc du coup, j'ai pas besoin de prendre tous les risques dès le premier tour. Ouais, c'est pas évident à gérer, mais j'essaie quand même de m'en donner à fond pour rester vraiment dans la course. Avant de passer à la catégorie O3, on s'est arrêté chez un constructeur comme d'habitude et cette fois c'est Didier Valade qui va nous parler de Cherco, de la marque. Comment va Cherco, la petite marque française sur le championnat de France en tout cas? Tout se passe bien, on est sans cesse en train d'évoluer, de faire évoluer nos produits, d'essayer d'être présent avec nos clients, d'assister un petit peu tout le monde et ça par le biais de l'académie aussi, on fait beaucoup d'opérations. Enfin, Cherco sportivement avance encore sur plein de points, en junior, en national, enfin en présent dans toutes les catégories. Est-ce qu'il y a une communication entre le team Cherco Pulsion et la Cherco Academy? Oui, il y a beaucoup de contacts. Je suis un petit peu à la base à l'arrivée du team Pulsion chez Cherco en France par rapport à ça. Il y a des stages d'avant-saison qui sont faits chez Cherco pour regrouper un peu tous les pilotes qui ont des ambitions nationales et mondiales. Ça, il y a des stages sous la houlette de Jordan Curval qui sont organisés. Il y a toute une synergie qui se fait par rapport à ça et qui est un gros point fort pour nous. Il y a beaucoup de choses. Il y a un gros esprit de famille dans la Cherco Academy avec des pilotes nationaux, des pilotes régionaux, des pilotes juniors, avec des pilotes élites, parce qu'on a des Kevin Panis, on a des Guillaume Pouzoulet qui ont été champions de France chez nous, qui aujourd'hui roulent en élite et qui continuent à faire partie de la Cherco Academy. Il y a tout cet esprit qui est important pour nous. Allez, on repart en course avec les grosses cylindrées de l'élite 3 et c'est un Suisse qui termine à la 5e position. Thierry Grabert a surtout fait une journée hyper régulière, toujours au 5 ou 6e rang malgré un 7e temps sur SP5. Il compte toutefois 1 minute 50 de retard sur le 4e. Kevin Rohmer est encore au pied du podium, mais il s'en rapproche. Le rythme revient pour le pilote TM. La marche qu'il faut encore franchir reste haute, car elle est bien occupée par le champion de France en titre Antoine Basset. Il s'est livré une bagarre très serrée avec Jérémy Joly. Et malgré un excellent dernier tour, il n'a pas réussi à combler son retard qui le séparait de la deuxième position. Le rythme était très élevé en E3. Arrivé ici plus confiant depuis son top 5 en mondial, Jérémy Joly pensait sûrement qu'il serait peut-être plus facile d'aller jouer la gagne. Mais du début à la fin, il a toujours été le dauphin d'un Manu Alpecin en super forme. À l'aise sur l'herbe grasse, il a immédiatement pris l'ascendant sur la concurrence de bon matin. Il a ensuite déroulé dans le dernier tour pour remporter son premier succès de la saison et prendre, par la même occasion, la tête du championnat en élite 3. Moi, je pars dans l'optique, je veux surtout pas me blesser. Parce que le lundi, j'aime bien prendre mes enfants dans les bras. C'est surtout ça mon objectif. Après, j'essaye de rouler intelligemment. Là où je peux prendre un peu de risque sans risquer la chute, j'essaye de le faire. Et les endroits où ils craignent un peu, j'essaye d'assurer plus. Je viens ici avec la détermination pour essayer de gagner et Manu a vraiment sorti une grosse journée. Franchement, il est vraiment impressionnant en ce moment, que ce soit à Bar-sur-Seine où il a failli battre Mathias et c'est pas rien parce qu'il est quand même en tête du championnat du monde.
Aujourd'hui, il a été plus fort que moi. Je prépare le 4, le 8 et le 5. Deuxième journée ici, l'occasion de faire un point sur les espoirs. Avec une victoire le samedi, la cinquième depuis le début de la saison, une huitième place dimanche due à un problème mécanique, Valérian Debeau est toujours leader du championnat avec 33 points d'avance sur Xavier Flick. Chez les féminines, vainqueur le samedi, Ludivine Puy s'est blessée au genou le dimanche. Pas plus d'infos pour le moment en espérant qu'elle revienne rapidement et en pleine forme. Elle est toutefois toujours leader du championnat avec un tout petit point d'avance sur Blandine Dufresne. C'est d'ailleurs elle qui gagne la journée du dimanche. Et malchanceuse samedi après une chute, Juliette Bérez conserve sa troisième place au championnat. Côté trophée constructeur, Yamaha s'impose les deux journées. Et sur le trophée Morraco, c'est Loïc Larieux qui s'impose et prend le leadership. Allez, on repart en course avec les juniors et un tir groupé de l'équipe de France armée de terre aux 4 et 5e places. Jean-Baptiste Nicolo ferme le top 5. Et quant à David Abgral, vainqueur le jour 1, il échoue à 20 secondes du podium. Mika Barnes retrouve le trio de tête malgré quelques erreurs à chaque tour dans l'extrême. Il est troisième. On pensait que ce serait plus facile pour lui en l'absence de Bazerque. Eh bien, Jérémy Carpentier n'a jamais gagné ce week-end. Bien malmené tout au long de la journée, il termine finalement deuxième à une petite seconde de Quentin de Ledemolde. Grâce à une bonne première SP, il a mené les débats de bout en bout. Il a eu chaud sur la dernière SP, mais c'est passé. Première victoire de la saison pour le pilote TM. Il y a une seconde, mais j'ai fait des erreurs dans la dernière et ça aurait pu valoir plus si j'avais pas récupéré le temps que j'avais pris dans l'extrême. Donc là, c'est vraiment bien pour moi et pour l'équipe aussi. Première journée, Benoît Fortunato retrouve le top 5, mais c'est encore certainement bien loin de ce qu'il attendait comme résultat. Devant, ça roulait très très fort. Julien Gauthier n'a jamais vraiment pu se battre pour la gagne. Il termine quatrième à près de 10 secondes du podium suite à une chute dans la ligne. Anthony Boissière a été plus efficace que la veille sur le dernier tour. C'est d'ailleurs là qu'il vient arracher sa troisième place. On s'attendait à le voir tout devant, il a dû se contenter de la deuxième place. Son invité suédois ne lui a pas fait de cadeau. Marc Bourgeois a compté près de 30 secondes de retard sur le leader avant de se refaire un peu dans le dernier tour. Mais pas suffisamment car le tout jeune Michael Persson a vraiment mis beaucoup de rythme d'entrée de jeu. Dans un style très agressif et efficace, il n'a laissé aucune chance à la concurrence et a littéralement surpris tout le monde. Le leader Youth Cup 125 du mondial s'est bien adapté au championnat de France. Toute la journée, ça a été la bagarre avec Marc. Mais c'était très sympa. Ah, j'étais très fatigué et j'ai changé de moto. Mais je suis très content de gagner aujourd'hui. C'était vraiment une bonne idée de l'inviter. On a vu qu'il a fait du bon boulot. Il a mené devant au scratch et tout. Donc voilà, on l'avait mis en main pour que ce soit un peu plus facile au niveau de l'organisation. L'objectif, c'était que je fasse devant lui, il fait devant moi. Bon, bah voilà, c'est comme ça, il a vraiment bien roulé aujourd'hui.
Size du E2. Journée mitigée pour Romain Boucardet qui termine 5e. De son côté, Romain Dumontier termine au pied du podium. C'est mieux que la veille, mais le Normand a toujours de gros soucis d'adaptation avec le 4,5 Yam. Deuxième podium de rang pour Nicolas Deparois qui a bien souffert sur cette journée. Il a avoué être complètement cuit à l'arrivée de l'épreuve. Deuxième comme la veille, Jérémy Taroux n'a jamais été en mesure d'inquiéter le leader. Et cette chute sur l'extrême a bien compliqué les choses. Il a cassé son levier de frein. Du coup, c'était un peu plus sportif pour finir la spéciale. Enfin, Loïc Larieux réalise le doublé dans le Jura avec une minute d'avance, certes. Mais ce qui a surtout inquiété le pilote Sherco, ce sont les chronos réalisés par le jeune Suédois qui évoluait en E1. Enfin, chez les élites 3, Alexandre Kerrer retrouve le top 5 ici grâce à une journée très régulière. Kevin Romer confirme sa 4e place de la veille. Il se rapproche en termes de chrono et c'est plutôt encourageant. 3e, on retrouve le champion de France, Antoine Basset, qui est encore un ton en dessous de son meilleur niveau. Devant celui qui avait dicté sa loi sur la première journée, Manuel Beupart savait que ce serait plus compliqué sur les spéciales défoncées. Deuxième, depuis le début de la journée, il a repris la tête en début de 3e tour avant de la perdre dans la toute dernière spéciale. C'est lui, Jérémy Joly, qui remporte son premier succès de la saison, plutôt bien parti. Il a dû rester très vigilant pour ne pas laisser filer cette victoire qui signifie bien plus qu'une simple première place. Après ma blessure de l'an dernier, je reviens de loin. Puis en plus, Manu ne m'a pas donné la vie facile, donc c'est une victoire méritée. Ça n'a pas été simple, mais au final, j'ai gagné et c'est ça le plus important. C'en est terminé pour cette 3e manche du championnat de France d'enduro 24 MX à Moiran en montagne dans le Jura. On va laisser la place un petit peu pour les vacances et on va se retrouver les 26 et 27 septembre prochains. Ce sera à Champagne-Mouton. Ciao, ciao.